30 000, on est bientôt 40 000, c'est un truc de malade. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la bécane de folie, la 50 survitaminée. Bref, merci à tous, la dernière vidéo on a fait 5 000 likes. Du coup on remet le challenge comme d'hab et je m'arrête pas tant que ça vous plaît à fond. Du coup 3 000 pouces bleus cette fois-ci et dimanche à 18h34 vous avez une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à tous d'être à fond dans ce challenge. Ça fait bientôt 2 semaines que je publie 2 vidéos par semaine car vous me bombardez les pouces bleus, c'est un truc de malade. Du coup 3 000 pouces bleus et ce week-end vous avez une nouvelle vidéo, contrat signé, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram. Je le poste là, on est à 40 000 abonnés. Il y a une surprise à plus de 4 chiffres. Vous savez ce que c'est? Si vous êtes un petit peu malin et que vous me suivez depuis 2-3 mois. Bref, c'était Léo, je perds pas plus de temps. N'hésitez pas à me noter sur 10 la bécane dans les commentaires. Vous l'avez noté dans la dernière vidéo côté esthétique, mais est-ce que là, côté moteur, ça va envoyer de la patate? C'est une dinguerie, juste c'est une dinguerie. Plus de 3 chiffres au niveau de la vitesse. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous le laisse regarder, allez, vas-y, ciao. Ouah, c'est quoi ce monstre? Bon les mecs, on va tester le bolide de guerre. Ah, putain, le frein, ouais, je vais pas m'y faire. Regardez les mecs comment il est court. Et tu sais combien elle fait au niveau des kilos? 85 kilos il me semble. Moi elle fait 105. On va faire le test de la MRT Pro. Tac. Hop. T'embrayes toi quand tu démarres? Non. Ça démarre pas sinon. Ah ouais. Super. C'est vrai que l'embrayage il est bizarre. Merde, ah oui, merde. Ah ouais. Ah ouais. Il m'a dit dans les tours ça allait haut. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, l'envoi. Ouah. C'est quoi ce monstre? C'est quoi ce monstre? Elle envoie de fou. Waouh. C'est quoi de cet avion de chasse? Waouh. J'ai jamais vu un bolide de guerre comme ça. Waouh. C'est quoi de ce truc? Je suis épaté. Vas-y, je vais vous refaire un passage les mecs parce que là, ce truc c'est un bolide de course. Elle l'arrache.
c'est incroyable. J'ai rien à dire. Ça envoie du steak haché. C'est... Oh. En tout cas, merci à lui de m'avoir fait tester son bolide. Allez, on va aller le retrouver là pour le féliciter de cet engin là. Regardez comment ça va partir. Regardez. Il y a un genre de rupteur. Je sais pas si je l'ai poussé au max, mais en tout cas, c'est une bombe de guerre. Et je vais acheter le même pot, les mecs. Oh, oh putain, mec, tu as un avion de chasse. Wow, c'est combien j'ai pris là-bas? Non. 105. Quand je t'ai dit 95, c'est compteur GPS. Hein. Ah ouais? Compteur ouais. Moto, t'as un petit décalage. Ouais. Mec, t'as un engin de guerre. Tu vas le voir à la réaction dans la vidéo. Tu m'as dit quand ça partait là, haut dans les tours. Ouais. Oui, oui. Oh, hey. Laisse tomber. Putain, merci d'avoir filmé avec le tel parce que là ça va faire des beaux plans, je pense. Je suis choqué. Quand je te voyais me dépasser là super vite, enfin quand tu montais super vite, ouais. Tes rapports. Eh, je comprends, hein. Pas trop chaude. Bon, ça va. Moi, je osais pas trop tirer dedans. À un moment, j'ai dit, bah allez, vas-y, on va quand même y aller. C'était un truc de fou. Ça a dû tellement te changer quand tu l'as débridé et que t'as mis le pot. Bon les mecs, j'espère que vous m'entendez parce qu'il m'est arrivé une petite galère avec le micro. L'adaptateur il s'est cassé. En gros il s'est plié sur le sol. Donc j'ai essayé de le remettre comme j'ai pu. Donc c'était vachement cool, l'abonné il était super sympa. Tu vas voir cette vidéo, gros merci à toi de m'avoir prêté ta bécane. Vous avez vu, elle envoyait du lourd de fou. En plus on était sur des belles routes. On va rerouler avec lui comme les autres. Je vous l'ai dit, tous les abonnés que je croise, que je vois, ça devient mes amis. En tout cas, sa bécane super sympa. Dinguerie. Par contre, son pot, les mecs, il fait un boucan de fou, mais il est trop stylé. Avec la petite cartouche là, je trouve que ça fait toute la différence. Du coup, dites si vous avez bien aimé sa bécane, le pot, un peu tout. Je filme encore jusqu'au retour. Au moins, ça fait encore des petits plans. Oh oui. Et vous avez vu, la config qu'il a fait, il n'y a même pas de kit, mais elle est juste modifiée au gicleur et tout ça. Et elle envoie de fou de la patate. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire de la ville, on peut faire un peu de campagne, on peut un peu tout faire ici, c'est ça qui est cool. En plus, il a fait de la route pour venir vous la présenter, les mecs, la bécane, donc mettez un petit pouce bleu. Hein. Ça va, il pleut pas? Et ce que j'aime bien, c'est tester la bécane des abonnés. Au moins, ça me change de mon embrayage, ça me change de ma boîte. En mode, ça m'apprend à un peu mieux piloter. Et à force de tester plein de bécanes, déjà que ça me fait un peu un patrimoine, un historique de bécanes testées. Et au moins, après, ça m'habitue. Je peux comparer ma bécane, genre là. Moi, mon embrayage comparé au sien, c'était pas pareil. Le frein avant, lui, il était super court. Moi, c'était pas pareil non plus. Du coup, comme je l'ai dit, pour ceux qui souhaitent rouler avec moi, vous venez sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et on se cale ça, une petite date, une petite heure et voilà. J'espère, quand le virus sera passé, tout ça, faire ça, mais une rencontre. Faire une rencontre, j'aimerais beaucoup avec beaucoup de monde. Un genre de mini rasso, ça serait vachement cool. Et s'il y a un truc à retenir que j'aime bien sur ma bécane, c'est qu'il n'y a pas de vibration. Hop, hop, hop.
putain, et j'arrivais un peu plus vite, je te voyais pas toi. C'est que moi, il n'y a pas de vibrations. Genre là, sur la sienne, si tu montes haut dans les tours, il y a des vibrations. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Moi, ça fait la deuxième que je fais avec un abonné et je kiffe. Sincèrement, c'est trop bien. Puis même, se faire ça, des petites journées, des petites après-midi avec les abonnés, c'est vachement cool. MT9. Oh, il y a les gendarmes. Oh putain. Oh, je crois qu'il a vu ça, lui. Il y avait les gendarmes sur le côté. Ça serait con de se faire arrêter, hein. Surtout le jour de la vidéo. En plus, il m'a expliqué qu'il s'est fait arrêter il y a pas longtemps et qu'il a mangé des amandes. En tout cas, son pot est vachement cool. Et sa moto, elle est nerveuse. Et sa moto, elle est top. Sincèrement, pour le prix 2000 euros, moi je l'avais vu sur le bon coin, mais elle était annoncée à 2005. Et c'est bien ce qu'il a dit. Il la négocie. Il la négocie un petit peu jusqu'à 2000. Il y a pas mieux, hein. Surtout ce modèle-là avec la fourche en or. Neuf, comme dit dans la vidéo, c'est 3500 euros. J'aime bien ces petites routes là comme ça. Ah, par contre, il y a des priorités, fais gaffe. Et regardez son sac, il m'a présenté son sac, c'est une dinguerie. Son sac il coûte 15 balles, va pas n'importe où, va pas tout droit. T'es clignotant en vrai, faut que tu changes, c'est dangereux. Hein. Ah ouais. On voit rien. Tu le verras à la vidéo, on voit rien. Ouais, je regarderai. Ouais. C'est super dangereux, en vrai. Mais ouais, on voit strictement rien. On le voit sur la... En plus, la veilleuse, on la voit pas de fou, tu vois. Ah ouais. Ouais. Bah de toute façon, tu verras sur la vidéo, mais... De loin, on voit rien et ton clignotant, ça fait qu'un petit truc, hein. De loin on voit rien. C'est expliqué en fait sur la veilleuse. Sur la veilleuse on voit que le clignotant. Ah ouais. On voit beaucoup mieux. Ah mais là, là on le voit quasiment pas. De loin on le voit pas. Mais ouais t'es clignotant en vrai c'est dangereux.